vous avez passé un bon week-end. Bien qu'au moment où cette vidéo sera publiée, le week-end ne sera pas encore terminé. On peut considérer qu'on est toujours Pâques, d'accord? Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va faire vraiment une vidéo spéciale Pâques. Donc du coup, vous allez voir, ça va être marrant un petit peu pour tout le monde, autant pour vous que pour moi. Le but, c'est très simple. En gros, on aura 4 blocs, d'accord? On aura un bloc... alors, il y aura 2 blocs de 12 minutes, 2 blocs de 5 minutes. Okay. Et de 3 minutes pendant 15-15, et 12 minutes pendant 40 minutes. Dans la salle, là, j'ai mis 4 boîtes, d'accord? Dans chaque boîte, il y a du coup 3 exercices ou un exercice pour les blocs de 5 minutes. Ok, que je vais piocher vraiment au hasard. Donc je vais aller prendre une boîte, et ensemble, on va découvrir du coup les exercices qui vont tomber pour le premier bloc, le deuxième bloc, etc., etc. Ok? Donc, moi aussi, j'ai simplement mis les exercices dedans, je sais les exercices qu'il y a, mais je ne sais pas comment ils vont être combinés. D'accord? Donc, je pense que ça va être assez marrant. J'espère que vous êtes prêts. Au niveau matériel, on aura besoin de pas grand chose, simplement 2 petits chiffons qu'on va mettre au sol. Voilà. Donc, si vous avez 2 élastiques, d'accord? C'est nickel. Et ensuite, pour une simplification éventuellement que je vous montrerai après, 2 poupées. Voilà. Mais sinon, en soi, il n'y a pas besoin de. D'accord? Donc, du coup, on est parti, j'attaque avec la première boîte, celle-là là, au fond, je la laisse pour le moment, on va attaquer celle de gauche. Alors, du coup, sur quoi on va tomber? Ah, déjà je peux vous dire que c'est un bloc de 5 minutes. Donc bloc de 5 minutes. Ah. Ok, bon, très bien, c'est pas trop mal pour... Donc du coup, bloc de 5 minutes sur du 15-15, on va enchaîner des fentes. Squat, ok? Donc du coup, fente, squat, hop, dynamique comme ça, d'accord? Et on enchaîne ça 10 fois. Pour ceux évidemment qui auront un peu de mal là-dessus, je donne toujours une petite application sur le côté. Ok? Donc du coup, c'est parti, lui je le mets de côté, hop, et on va enchaîner. Allez, vous êtes chaud? Attention! Et top, c'est parti! Allez, allons-y! Donc, du coup, on enchaîne bien ça, direct. Alors, vraiment, on se met dedans tout de suite. Parce que de toute façon, vous l'aurez vu au titre, et c'est séance cardio-abdo. Pour bien relancer la semaine. Allez, top! On revient dessus. On se reprend. Donc, cardio-abdo, voilà, pour bien relancer la semaine. Comme vous l'avez bien terminé avec Cam d'ailleurs aussi. Allez, attention, top, c'est parti, allons-y. Tac. Allez. Et on enchaîne bien. Et top. On vient sur. Bon, on a mis les deux passés. On se retrouve. Ok. Allez. La deuxième minute, attention, top, c'est parti, allons-y. Là. Allez, s'enchaîne. Voilà, on s'accroche comme ça. Encore un petit peu. Et tac. On vient souffler. Bon. Là, tout ça, la fin de souffle, vraiment, on coupe le coup. Voilà, pensez toujours bien à vous échauffer avant, mais on sent vraiment chaud. Allez, attention, top, c'est parti. Allons-y. Allez, encore un petit peu. On s'accroche. Et top. On vient sur. Oh. Allez. Troisième minute. Attention, top, c'est parti, allons-y. Allez, on enchaîne ça. Ok, allez, top. On se... Nickel. Au niveau des boîtes, du coup, je pense que je fais un petit tour comme ça. Et on terminera sur celle du fond. Allez. Attention, et top, c'est parti. Allons-y.
continue comme ça. Nickel. Allez, on s'accroche. Encore un petit peu. Stop. On vient souffler. Bon. Parfait. On prend. Quatrième minute. Allez, top. C'est parti. Allons-y. Allez, on s'accroche comme ça. Allez, on voit fort. Toujours, toujours, toujours. On garde le même rythme. Et top. On vient souffler. Il nous reste 3 fois. Allez. Et top, c'est parti. Allons-y. On est à la dernière minute. Pardon. On termine la quatrième minute. Allez, encore. Là, on passe à la dernière minute. Ok. On se reprend. Attention. Top, c'est parti. Allez, allons-y. Voilà, je me tiens ça. Allez. On y est presque. Et top. Oh, on vient souffler. Bon là, pour ceux qui ont les impulsions, là, ça doit commencer à taper sévère. Pour les autres, forcément, c'est différent. Ça va être un peu plus différent. Dernier, top, c'est parti. Allez, allons-y. Je pense que on a tous eu la chance de tomber sur celui-là, sur le premier bloc. Pour ça, on est encore prêt, mine de rien. Allez, stop. On vient souffler tranquille, nickel. Buvez un petit coup. Tranquillement. Oui, donc du coup, on a bien fait de commencer par celui-là parce que nos jambes étaient fraîches. Alors, si on avait enchaîné avec autre chose, ça aurait été dur. On est parti sur la deuxième boîte. Allez. Oh ah, bon, du coup, on part sur un bloc de 5 minutes à nouveau, sur du 15-15 toujours. Et cette fois-ci, évidemment, c'est les burpees. D'accord. Donc des burpees pendant 10 fois. On va descendre 10 fois, c'est le seul que ça. Alors là, les deux derniers blocs, du coup, les deux gros blocs, ils vont être bien longs après. Bon. Donc comme toujours évidemment, je mets une simplification, ok, pour ceux qui n'arrivent pas à faire des burpees voilà, entières. Sinon, vraiment tout le monde, hop, on descend, la pompe, impulsion, ok, de toute façon vous connaissez. D'accord? Bon, allez, vous êtes chaud, on attaque dans 5 secondes. Allez, attention, et top, c'est parti, allons-y. Et top, on vient souffler. Ok, on prend. Vraiment là, pour le coup, alors, on voit, on voit, on voit. C'est le hasard, le pur hasard, les gars. Allez. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. On souffle, on se reprend, on tire,
une seconde. Allez, top, c'est parti. Allons-y. Allez. On va fort. Allez, top. On souffle. Ok, on aura la troisième minute. Allez, top, c'est parti. Allons-y. Allez, top. On vient souffler. Bon, on est pas mal là. Allez. Allez, on finit cette troisième. Attention, top, c'est parti. Allons-y. Allez. Allez, top. On va souffler. Il nous reste 4 fois. Allez, la montée est faite. Ok. Alors, on va faire monter le cardio. Attention, top, c'est parti. Allez. Allez, top. On vient souffler. Bon. Eh ben, allez. On tient le bon bout. Attention. Et top, c'est parti. Allez. Allez, on s'accroche. Encore. Allez, top. Ok. Dernière minute. Les deux dernières, là. Allez, top! C'est parti! Allez, top! On vient souffler. Nickel. Eh ben, allez, la petite dernière. La petite dernière. Attention, top, c'est parti. Allez. Allez, encore. On envoie fort. Allez, top. Ok. Buvez un petit coup, on se reprend. Tranquillement. Simplement, je ne sais pas comment ça va tomber. Plus de cardio, plus d'abdos. On va voir. Allez. C'est parti. Ah oui, évidemment, il y a un œuf hein, dedans. Voilà. Consommez avec modération. Hein. Bien sûr. Bon, premier exercice. Donc en 40-20, hein, ces exercices-là. Ok. Donc, je vous les annonce à chaque fois. Je vous referai un petit récap à la fin. Ce sera des abdos twistés. Donc là, on va se mettre sur les fessiers, ok, tac, et on vient chercher simplement sur les côtés comme ça. Si vous avez des haltères, c'est top, d'accord, c'est encore mieux. Ça rajoute un peu de difficulté. Ensuite, on aura, donc là c'est bien parti pour un full abdo, abdo en étoile. Donc, abdo étoile, simplement on va s'allonger ici, on va tendre les bras, là, d'accord, les jambes sont fléchies. Et ici, on va venir ramener, tac, puis tendre. D'accord ? On ramène, on tend, on ramène.
et les jambes restent fléchies. Ok. Puis enfin le troisième. Ah, le bloc full abdo. Donc du coup bloc full abdo. Donc là ça va être des V-Hubs. Et V-Hubs, ça ressemble un petit peu aux abdos en étoile, d'accord. Simplement les bras sont tendus derrière. Et là en fait, jambes tendues, on va venir chercher là, on vient tendre, puis on vient chercher là. Tac, carré. Ok. Alors là, ce bloc, il va faire mal, mal, mal. Mais ça va être drôle. Donc du coup, hop. On monte le tapis, on met le. Voilà. Allez, le chaud. Donc, petit récap vite fait des exercices. On a le twist ici, les abdos étoiles ici, et le V-ups ici. Ok. Voilà. À chaque fois 20 secondes de recul, on attaque en même pas 10 secondes. Évidemment, comme toujours, j'aurais mis des simplifications. Pour ceux qui ont un peu du mal. Allez. Attention. Top, c'est parti. Donc là, on attaque sur le twist. Allez. Voilà. Donc là, on est bien calé. Toujours serré sur les abdos. Voilà. Et on vient vraiment chercher cette rotation. Allez, encore. Voilà. On s'accroche. Voilà, donc là, à mon avis, ça risque de brûler ce bloc comme jamais. Vous allez voir, 5 secondes. Allez, encore. Top. On vient souffler, donc là, vraiment, n'hésitez pas à vous allonger. On respire bien ensuite. D'accord, c'est très important de le faire directement, vraiment pour essayer de rester régulier ensuite. Donc, hop, plus on étoile. Allez, attention. Et top, c'est parti, allons-y. Donc là, hop, on vient tendre un petit peu, mais pas trop vers le bas. Hop. Alors, il ne faut pas tendre au niveau du dos. Évidemment, on souffle toujours quand on vient contracter. Allez, encore. Donc, vous aurez remarqué que moi, mon du corps ne se fait pas trop. D'accord. C'est pas forcément la peine. Là, vraiment, je sens que ça travaille à fond. Voilà. C'est ça le principal. Top. On vient souffler. Voilà. Vraiment, on prend le temps. On se reprend. Voilà. On relâche vraiment à fond. Allez. Attention, et top, allez, c'est parti. Donc là, on hop. Ah, encore. Allez, top. On vient souffler. On se reprend tranquille. Alors, toujours. Voilà, on souffle bien. On vient toujours au niveau droit, évidemment. Voilà, vous allez sentir déjà que le premier tour brûler énormément. C'est bien, c'est trop beau. C'est bien. Allez, top, c'est parti. Allons-y. Allez, on maintient ça. Hein. Encore. Cinq secondes.
On va relâcher tranquille. Hop là. Voilà, on prend le temps de s'allonger. Voilà, on va redétendre au niveau des abdos un petit peu. Parce que là, ça travaille énormément. Ok. Allez. Attention. Top, c'est parti. Allons-y. Allez. Et top, on vient souffler, tranquille, ok. Donc là vous aurez remarqué, vous avez vu que je parle beaucoup moins, c'est vraiment pour rester concentré sur ma respiration. Voilà, vraiment, faites pareil, restez bien concentré sur votre respiration, c'est super important. Allez, attention, et top, c'est parti, allez, allons-y. Bon, là ça tire sévère. J'espère pour vous aussi. Parce que pour ma part là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah, on s'en met correctement. Allez. On est reparti, troisième tour. Et top. Allez, on s'y. Allez, encore. Il reste même pas 10 secondes. Top. Oh. On vient souffler. Oh. On se reprend. Ah, voyons. Oh. Eh ben, on est bien là. Super. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Allons-y. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Et top. Wow. On vient souffler. Ok, on relâche tout. Allez, encore. Là, vraiment là, faut se dépasser à fond, à fond, à fond. On attaque dans 5 secondes. Allez, attention. Top, c'est parti. Allons-y. Allez, et top.
Waouh. On va souffler. Et ben, les gars, les filles, dernier tour. Ouh. Ah. Ah oui. Ah, c'est bloc, je savais qu'il allait être mortel. Allez, on est en place, dernier tour. Et top. Allez, c'est parti. Allons-y. Allez, encore. Top. Oh, on vient souffler. Oh, oh, qu'est-ce que ça tient. Oh. Oh, comme ça travaille. Bon. Ah bah là, je suis honnête avec vous, hein. Allez. Attention. Et top, c'est parti. Allez, allons-y. Wow. On va souffler. Bon. Vous êtes prêts, le petit dernier? Oh. Et en plus, le dernier bloc qui nous attend, ça va être un truc full cardio. Allez. Attention. Et top, c'est parti. Allez, on tient. Et top. Oh, on vient souffler. Ok, on se reprend tranquille. Ah voilà, celui-là, il fait mal. Il fait mal. Bon, nickel. Buvez un petit coup. Du coup, il nous reste le dernier bloc. Et là, pour le coup, celui-là fonctionne exactement tous les exercices. Dernière boîte, vous êtes prêts? Dernier bloc. Du coup, maintenant. Hop. Hop. C'était caché. Alors, le premier exercice. Alors, c'est là. Pardon, donc déjà, je peux vous dire, préparez vos petits chiffons ou vos élastiques parce que vous allez en avoir besoin. Hop. Donc, du coup, premier exercice. On aura donc des petits pas dynamiques. Avec un saut latéral, donc ça donne ça en gros. Vous allez partir à côté de vos petits chiffons, de vos petits élastiques, ok? Et on va venir faire ici, tac, 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 d'accord? Hop, et ensuite, petit saut, d'accord? Tac, 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 petit saut. Ok? Pour ceux qui n'arriveraient pas, d'accord, toujours, je donnerai, je vous donnerai, voilà, si ce n'est pas chassé, ok, je vous mettrai la simplification de celui-ci. Bon, je suis là. Hop. Ensuite, alors là, bon, bon bah du coup on va suivre cet ordre. Hein. Là, en gros, on va faire des petits pas dynamiques, mais sans les sauts latéraux. D'accord? En gros, ça donne ça. Ici, on va faire tac, 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 tac. Ok? Donc, mettez un pied à l'extérieur,
on vient rentrer là, on rentre l'autre, on sort lui, il y en a tout le temps un à l'intérieur. Tac, 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 tac. Ok? Et on vient rentrer comme ça. Donc, je vous fais tout le monde face. Alors, je sais qu'il y en a qui vont y arriver tout de suite, il y en a d'autres peut-être. Ça va être un peu plus dur. Vraiment, hop, hop, hop. Ok, un pied va chasser l'autre. Et ensuite, quand vous y arrivez, vraiment, hop, on va le faire super vite. Ok? Et enfin, le petit dernier. Du coup, toujours besoin de ces petits chiffons, de ces petits élastiques. Et là, saut latéraux, d'accord? On va mettre les sauts latéraux, plus des burpees. Donc, ça donnera ça. Hop, on met son petit repère au sol. Et tout simplement, petit saut, burpees. Petit saut, burpees. Et la burpees, pardon, je ne suis pas faite avec la pompe. Évidemment, pour ceux qui peuvent, on fait la pompe. Ok? Chaud? Hop, allons-y, sans perdre de temps, tac, voilà, on a une dernière petite boîte, dernière petite surprise, on attaque dans 5 secondes, on attaque d'abord sur les cuisseaux, évidemment, vu qu'il y a 4 tours, à chaque tour, on changera de côté, ok, on attaque sur un côté, allez, top, c'est parti, tac, 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 hop, petit saut, hop, petit saut, tac. Bon, je me suis demandé. Allez, tac. Hop, petit saut. Hop, je m'étais mélangé. Là. Hop, hop. Et évidemment, après, voilà, plus moins vous éloignez les élastiques ou les chiffons, plus c'est facile au niveau de la pulsion. Ah, et top. On vient souffler. Bon. Donc là, le deuxième, c'est comme sur l'échelle de règle finalement. Donc je sais que ça demande un peu de coordination. D'accord, mais vraiment, allez-y tranquille au début. C'est le moment justement de s'exercer là-dessus. Allez, top, c'est parti. Donc là, voilà, on peut démarrer tranquille. Hop. Et ensuite, tac, au bout d'un moment, voilà. On trouve son rythme. Maintenant, on va bien chercher. Hop, en latéral. Allez, encore, encore, encore. Et top. Ok. On se reprend un petit peu. Hop. Là. Latéraux avec burpees pour terminer ce premier. Allez, top, c'est parti. Allons-y. Allez, top. Ok. On relâche, on se reprend. Tranquillement. Donc là, du coup, on va chercher l'impulsion de l'autre côté. Et top. Allez, c'est parti. Allez, top.
concentrant. Nickel. Place à ta jambe plus. Ah. Ok. Allez, attention. Et top, c'est parti. Évidemment, des mouvements comme ça, dynamique, il en existe plein. Voilà, là on reste en groupe, on le repère au milieu des deux élastiques. C'est un peu du cha-cha-cha, hein, certains diront. Et top. Bon, voilà. Ok. On se reprend un peu. Allez, on va partir sur les burpees. Et top. Allez, c'est parti. Allez, 10 mois. Allez, top. Ok. Bon, c'est mal. On se reprend. Troisième tour. Allez, top, c'est parti. Allez, 10 secondes. Allez, top. On relâche un petit peu. Nickel. Bon. Allez, on partira sur les petits pas. Stop, c'est parti. Évidemment, là, ça vient de chauffer aussi au niveau des mollets. Allez, encore. On s'accroche. Jusqu'au bout. Et top. Bon. Nickel. Allez. On va partir sur les burpees. Le timing, on sera impeccable. Allez, attention. Et top, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. Et top. Ok.
On vient souffler. On se reprend. Tranquille. Allez, dernier tour. Top. C'est parti. Allez, encore. Allez, il reste même pas 10 secondes. Allez, top. On relâche. À deux mois. Le petit dernier, enfin le petit dernier, pardon. Le dernier sur les petits pas. Allez, top, c'est parti. Parce que évidemment, il nous reste les burpees à la fin. Allez, on s'accroche. Allez, 10 secondes. Allez, on croit. Et top. On relâche. Et il nous restera le petit dernier pour terminer cette séance. Bon. Allez, on taille en 5 secondes. Dernière burpees. Attention. Top, c'est parti. Allez. Donc là, on l'a. On donne tout ce qu'il reste. Allez. Allez, encore. 10 secondes. Allez, dernière. Et top. On relâche. Et c'est terminé. Et bah super. Très bien. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Voilà, vous avez apprécié les petites surprises. Alors, soit pour vous, c'est tout le temps des surprises. On ne dit pas à l'avance. Mais, rien pour le fait que ce soit complètement aléatoire. Voilà, ça change un petit peu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez pu bien vous dépenser et éliminer tous ces chocolats de Pâques pour mieux repartir. Donc, passez, rattaquez bien la semaine. Passez une bonne journée, une excellente soirée. D'accord, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez pris du plaisir. Allez, bisous.